Laurent Husson, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau des rencontres économiques d'Aix-en-Provence où vous interveniez dans une session avec une question très importante est-ce que la croissance détruit la planète Alors, avant de, de répondre à cette question, mm -hmm. est-ce que vous pouvez nous présenter votre initiative, une, une grande première en Europe C'est unique d'ailleurs, c'est basé à Toulouse, ça s'appelle Climate City, c'est ça mm -hmm. oui, De oui. quoi s'agit-il exactement En fait, c'est très très simple. Hein. Pour la première fois, nous allons créer un système d'observation qui permettra de Comprendre, d'étudier et de modéliser le climat urbain, le microclimat des villes. C'est-à-dire pouvoir anticiper à long terme, à deux ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans, les phénomènes climatiques à l'échelle d'un arrondissement, d'un district, d'un quartier. Finalement, réussir à modéliser l'impact de l'évolution du climat sur les villes, ce qui est très important pour prendre des décisions d'investissement pour l'avenir des villes leur donner cette capacité d'adaptation, de résilience face au changement climatique. Mais c'est la météorologie d'un nouveau genre C'est la météorologie 2.0 Alors, la météorologie, c'est le court terme. Le climat, c'est le moyen et le long terme. Il y a déjà de nombreux systèmes qui observent le climat, les satellites par exemple, mais les satellites ne peuvent pas, à l'échelle d'une ville, observer de, matière, de manière extrêmement chirurgicale les phénomènes climatiques. Et du coup, les parties prenantes des villes ne peuvent pas prendre des décisions d'investissement à long terme pour faire face au changement climatique. Et c'est un enjeu majeur, et nous allons le faire grâce à des ballons captifs attachés au-dessus des villes à 350 mètres d'altitude, et des drones en périphérie des villes qui surveilleront l'ensemble des phénomènes atmosphériques impactant les villes. Où en est ce projet aujourd'hui dans son développement Donc en 2015, nous avons lancé le projet au moment de la COP21. En 2016, nous avons préparé l'ensemble de nos partenariats scientifiques et industriels. Nous sommes en partenariat avec la NASA, l'université de Columbia avec de nombreux industriels qui nous fournissent les ballons et les drones, ça c'était 2016. En 2017, nous préparons et nous sommes en train de finir la réalisation des démonstrateurs, donc des premiers systèmes qui s'installeront en Inde, en Afrique, en Europe, pour démontrer la solidité du système. Comment est financé euh, ce, ce projet euh, Comment est financée cette initiative Vous venez parler de, de vos partenaires. Je présume que vous cherchez toujours des investisseurs. Alors, effectivement, on cherche des investisseurs. Pour l'instant et depuis deux ans, le projet est financé par les porteurs du projet, les fondateurs. Nous sommes sept associés. Nous finançons le projet depuis presque deux ans. Nous sommes aujourd'hui aidés par le biais d'un certain nombre de souscriptions euh, d'acteurs économiques qui ont souscrit à des obligations pour nous aider. Et nous sommes en train de constituer un tour de table, un tour de table avec des acteurs publics et des acteurs privés. Laurent Husson, je reviens à la question euh, initiale. Mm -hmm. Est-ce que la croissance détruit la planète ah, Grande est... question. Très grande question. Il est tout à fait clair que la croissance actuelle, le modèle qui était le nôtre depuis 150 ans, est un modèle qui a vécu. Nous devons rentrer dans un, dans un nouveau monde. Nous devons réinventer notre croissance. Moi, je pense franchement qu'il euh, n'est pas question de décroissance. Il est question de transformer la croissance, de la réinventer. Et chez Climate City, ce que nous voulons faire, c'est participer à cette nouvelle croissance en en aidant l'adaptation des villes au nouveau monde qui arrive. Donc la solution, vous le disiez, ce n'est absolument pas la décroissance, contrairement à ce que certains ah, affirment au effort. Ce n'est certainement pas la décroissance. Et si on prend simplement les émissions de gaz à effet de serre, on doit effectivement limiter au maximum les émissions de gaz à effet de serre pour réduire et éviter que la température n'augmente et qu'on subisse trop durement en 2100 euh, euh, l'impact du changement climatique. Mais on sait très bien qu'on ne pourra pas réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier, sur toute la planète, de la même manière. C'est irréaliste de penser ça. On ne doit pas donc simplement lutter et décroître, mais s'adapter, se transformer en regardant les choses de manière chirurgicale. Justement, quel regard portez-vous sur l'industrie aujourd'hui dit-on dans une phase de réindustrialisation lente après une grande phase plusieurs décennies de désindustrialisation est-ce que mm -hmm. ça pose réellement problème pour le climat aujourd'hui est-ce que les entreprises sont réellement responsables désormais je pense qu'une grande partie des entreprises en tout cas d'un certain nombre de, de pays qui ont la chance de pouvoir prendre le temps de réfléchir et de transformer leur économie euh, qu'une partie de ces pays-là et des industries de ces pays-là ont conscience qu'il faut faire des choses, qu'il faut organiser une transformation de leurs produits, euh, une utilisation différente de certains matériaux, euh, etc. Mais je pense aussi qu'il y a dans d'autres régions du monde une difficulté à prendre conscience, parce que leur première difficulté, elle n'est pas là, elle est simplement dans le développement économique. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que l'approche qui est celle de changer de modèle de croissance, en essayant d'adapter le monde, et nous on va essayer d'adapter les villes aux évolutions du climat, c'est une solution qui finalement en étant un petit peu astucieux est une solution qui permet d'adapter le monde entier en même temps, alors que par contre réduire les émissions de gaz à effet de serre dans toutes les régions du monde au même moment. Ça, ce pas possible. Rapidement, j'aimerais bien avoir votre avis sur la position prise par les États-Unis euh, mm -hmm. via Donald Trump de se retirer euh, mm -hmm. de la COP21, de, de l'accord de Paris sur le climat. Mm -hmm. euh, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un côté positif dans cette décision qui crée une mobilisation internationale On le voit. Il mm -hmm. bon, y a euh, finalement euh, deux approches. Euh, bon, D'abord, c'est absolument catastrophique d'entendre de la part d'un monsieur qui représente les États-Unis de tenir de tels propos sur un accord qui était quand même un accord extrêmement positif. Donc on peut considérer que c'est négatif. Bon il se trouve que vu le personnage, il y a une mobilisation finalement deux ou trois fois plus forte aujourd'hui qui fait qu'on va peut-être cristalliser finalement toutes les forces positives grâce à cette remarque. Et on voit d'ailleurs que les acteurs du C40, ou the 100 Resilient Cities, c'est-à-dire ces grandes fondations qui aident les villes à la résilience, soutenues par la Fondation Bloomberg ou par euh, la Fondation Rockefeller, sont des fondations qui tout de suite se sont mobilisées et elles sont américaines pour aller contre les idées de, de Donald Trump. Donc vous êtes un grand optimiste. Ah moi temps. je suis optimiste. À chaque fois que je, je, je regarde le monde euh, avancer, euh, je veux le regarder euh, dans le bon sens. Et j'ai trois filles et j'ai envie que mes trois filles vivent dans un monde meilleur plus tard. Merci Laurent Husson. Merci. Merci. Merci beaucoup.